qu'ils peuvent se prendre. Ouais, c'est ça. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, format différent, donc je ne suis pas dans un jeu concours, je ne suis pas encore dans un portrait, mais je suis en compagnie en tout cas, et en bonne compagnie, je suis en compagnie de Eric Sauvage, donc sur Concarneau. Eric, que tu as créé il y a quelques années, donc il y a 20 ans, le centre de plongée Eric Sauvage, et donc oui. Le CPES. Et nous, en fait, on s'est posé une question, donc comment réaliser le reportage de manière un petit peu plus dynamique? Eh bien, c'est en vous invitant à y participer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se fait quelque chose de sympa. On va aller profiter de la nature. Ouais. On va se déplacer vers l'archipel des Glénans, qui est à peu près à 20 km du littoral, ouais. À une demi-heure de traversée. Ouais. Et on va pouvoir visiter l'archipel en détail et voir plein de roches qui peuvent faire penser à plein de choses différentes. Mais il y en a qui ont quand même leur spécificité. Par exemple, il y en a une, c'est vraiment une tête de King Kong. Je l'appelle King Kong d'ailleurs. Ah ouais. C'est King Kong. Quoi. D'accord. On va aussi pouvoir nager avec les phoques, faire de la randonnée palmée avec les phoques. Et pour ceux qui sont intéressés par un baptême de plongée, ça sera également possible. Avec d'accord. Un bon pique-nique sur la plage au soleil pendant la pause. Donc, on se retrouve à quelle heure ici? On se retrouve à 8h le matin. On se retrouve à 8h ici pour le petit-déj. Pour le accueil café croissant. Hein, accueil café, voilà, et on prend des perception forces. Perception des équipements. On file voilà, au Glénan, briefing. Après, on va au bateau, ouais. On se déplace vers les Glénans. Ouais. Une demi-heure après, on est là-bas. Ouais. Et il y aura deux bateaux, donc il y aura une partie qui va s'occuper de... faire les activités subaquatiques, randonnée palmée et baptême. Okay. Et une autre partie, un autre bateau qui va faire le tour de l'archipel en passant dans les plus beaux endroits. Il nous fait rêver, Eric. Et après la pause de midi où il y aura des victuailles que chacun amènera. Donc le pique-nique, c'est vous qui le préparez, c'est vous qui l'envoyez. Et donc après, on inverse les équipes, les équipages. Ouais. Et la deuxième partie de l'après-midi, de la journée, l'après-midi, ben, ceux qui étaient le matin en visite font les activités subaquatiques. Super. Et vice-versa. Parfait. Donc, ça va être un reportage qui sera diffusé, le reportage d'Eric qui sera diffusé fin juin, début juillet. Donc, il y aura un jeu concours également. On ne vous en dit pas plus, mais il y aura quelque chose de sympa à gagner. Et il y aura le reportage, donc le portrait d'Eric qui sera diffusé voilà, la semaine qui suit, comme d'habitude. On va essayer de créer un petit peu de dynamique comme ça cette année aussi, sur le réseau, puisqu'il y a une belle audience qui s'étoffe de plus en plus. Merci encore. Et donc voilà, bah, si vous êtes intéressé pour venir participer, alors là, je dis, c'est un plan large que je fais, hein. Les entrepreneurs que vous êtes, souhaitez nous rejoindre et venir participer à cette journée-là, voilà, qu'on pourrait qualifier un petit peu de journée de vacances intelligentes où on se détend un petit peu, on sort un petit peu de son carcan d'entrepreneur et de la tête dans le guidon et puis on va se détendre au Glénan ensemble. On laisse tomber les écrans, ouais, on se reconnecte ça. À la nature. Là, voilà, après, et, ça, ça fait du bien. Et puis c'est pas adressé qu'aux entrepreneurs, si vous avez envie de venir partager avec nous cette journée, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous qui nous suivez et qui partagez aussi tout ce que l'on fait sur les réseaux. Voilà, c'est avec plaisir. 30 places, il y a 30 places seulement. Vous vous inscrivez, vous nous contactez dans les commentaires ou en message privé et puis on se ferait un plaisir de faire le nécessaire pour valider votre inscription pour cette belle journée. Je rappelle donc le 30 mai au Glénan avec Eric et puis voilà, avec tout ce qu'il faut. À bientôt. À bientôt.